Lawrence Joseph Bader est âgé de 30 ans. Il est marié à Marie-Lou Knapp depuis 5 ans. Il est père de 3 enfants. Il vit à Akron dans l'Ohio. Bader est vendeur d'ustensiles de cuisine. En apparence, il mène une vie tout à fait normale. Mais les événements futurs vont faire en sorte qu'un jour, toute l'Amérique parlera de lui. Voici l'étonnante histoire de l'homme qui a oublié qu'il existait, Lawrence Joseph Bader. Le hobby préféré de Lawrence est la discipline du tir à l'arc. Il était d'un commerce agréable. C'est un homme qui savait captiver les gens quand il parlait. Vous étiez toujours intéressé par ses discussions. Sa compagnie était toujours recherchée de tous. Il était aussi reconnu pour sa gentillesse. En fait, si vous vouliez vous confier à un ami, vous allez vous confier à Lawrence Bader. Le 15 mai 1957, Bader doit se rendre à Cleveland pour un voyage d'affaires. Dès que ses obligations à Cleveland seront rencontrées, il avait pour projet de se rendre à une partie de pêche. Son épouse trouvait bizarre qu'il ne rentre pas directement à la maison, mais lui-même lui avait dit qu'il n'en était pas encore certain. Bader s'est effectivement rendu à Cleveland. Par la suite, il a encaissé un chèque de 400 $ et fait très important dans notre histoire. Il a réglé sa prime pour sa police d'assurance vie. Ensuite, il s'est rendu au Eddie's Boat House pour la location d'un bateau. Bader avait projeté d'aller sur la rivière Rocky. Lawrence Cutler, l'homme qui lui a loué l'embarcation, n'a pas manqué de lui souligner que la tempête approchait, qu'on était déjà en fin d'après-midi, qu'il serait peut-être mieux d'attendre le lendemain pour son excursion de pêche. Mais Bader lui a signifié que ce n'était pas un problème pour lui. Il déposa un montant de 15 $ en dépôt et demanda que le bateau soit muni de lumière. Cutler a aussi témoigné que Bader avait en sa possession une valise. Bader commença son expédition malgré les avertissements de Cutler. La garde côtière l'intercepta pour lui servir le même avertissement que la tempête approchait et que les conditions pouvaient se détériorer rapidement. Il les a assurés qu'il était bien au courant et qu'il serait prudent. Les patrouilleurs de la garde côtière furent les derniers à voir vivant Lawrence Joseph Bader. En effet, le lendemain, le bateau qu'il avait loué fut retrouvé à proximité de la place de Perkins Beach à Lakewood, à plus de 7 km de l'endroit où Bader avait loué l'embarcation. L'une des hélices du moteur était endommagée. Il manquait une rame. Bader n'avait pas utilisé les gilets de sauvetage. Il n'y avait plus d'essence à bord. Et surtout, la valise en possession de Bader était elle aussi disparue. On a recherché Bader pendant de longues semaines, mais aucune trace de lui. Sans gilet de sauvetage, il était peu probable qu'il ait pu survivre, car la rivière était très agitée. Lawrence Bader fut déclaré officiellement mort en 1960. Marie-Lou, qui était enceinte au moment de la disparition de son mari, se retrouvait seule avec 4 enfants. Heureusement pour elle, Lawrence avait payé les primes de son assurance vie. Elle était ainsi à l'abri du besoin pour un temps.
Quelques jours plus tard, un homme flamboyant fait son entrée au Round Table Bar à Omaha, Nebraska. Il arrive de la marine et il se nomme John Fritz Johnson. Il vient d'être démobilisé après 14 ans pour raison de santé. Il est à la recherche d'un emploi et, chose très importante, il garde précieusement avec lui une valise. Il expliqua au patron du bar qu'il était parfaitement qualifié pour le travail de barman. L'homme qui avait le verbe facile, le genre d'homme qui inspire confiance, le genre d'homme qui donne envie de se confier. Il fut engagé et bientôt, il charma tout le monde par son entregent et sa gentillesse. Il était toujours de bonne humeur. Il avait toujours une bonne histoire à raconter. Il insistait pour se faire appeler Fritz. Décidément, le patron du Round Table Bar d'Omaha se frottait les mains de satisfaction. Il venait de mettre la main sur un employé compétent, une perle rare, ce qui ne pouvait qu'attirer encore plus de clientèle. John Fritz Johnson était pour le moins excentrique. Il était un célibataire fort populaire qui sortait beaucoup. Il se déplaçait dans un vieux corbillard avec un aménagement à l'arrière qui nous laisse deviner les choses. Il était un amateur de musique classique. Il est important de souligner qu'il était un adepte du tir à l'arc. Il était même excellent, car il avait gagné des compétitions régionales. Fritz mène une belle vie. Il ne se cache pas. Il aime la ville d'Omaha et les gens le lui rendent bien. Fritz ne voulait pas se contenter d'un travail de barman. C'est ainsi qu'il se rendait souvent à la station de radio KBON à la recherche d'un emploi. Il enregistrait sa voix pour démontrer au patron de la station qu'il avait toutes les qualités pour un poste à l'animation. Fritz n'a peur de rien. Il s'impose partout où il va et il obtient toujours ce qu'il désire. En 1959, 2 ans après son arrivée à Omaha, il est engagé à la radio et devient une personnalité en vue dans le milieu. 2 ans auparavant, Fritz était totalement inconnu dans la ville. Il était maintenant bien installé et son ascension allait se poursuivre. En 1961, John Fritz Johnson épouse Nancy Zimmer, un mannequin. Il adopte la fille de celle-ci. Le couple aura aussi un enfant. Fritz a maintenant un travail à la station de télé KATV. Il est impliqué dans le conseil des entreprises de tir à l'arc. En 1964, le destin le frappe durement. On décèle une tumeur cancéreuse derrière son œil gauche. Il perdra son œil et portera désormais un cache-œil, ce qui ajoute à l'excentricité du personnage. La vie de Fritz Johnson va bientôt prendre une autre tournure. Le 2 février 1965, Fritz est présent à une convention d'articles de sport à Chicago. Suzanne Pekka est devant un stand de tir à l'arc et elle est foudroyée par ce qu'elle vient de voir. Il y a un homme qu'elle reconnaît facilement. Il a un cache-œil, mais elle en est certaine. Elle a devant elle
son oncle Lawrence Bader. Sa surprise est d'autant plus grande car son oncle est décédé depuis 8 ans. Elle se dit qu'il peut s'agir d'un sosie, mais non, c'est impossible. Son oncle est bel et bien devant elle. Elle s'adressa à lui en lui disant « Pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas mon oncle Lawrence Bader qui a disparu il y a 7 ans? » Bader esquiva la question en riant. Suzanne communiqua avec les deux frères de Bader qui arrivèrent rapidement à Chicago. Fritz continua à nier être Bader et pour prouver sa bonne foi, il accepta d'accompagner les deux frères au poste de police pour une prise d'empreintes. Les empreintes digitales de Bader se trouvaient dans son dossier militaire. Il serait facile de vérifier s'il s'agit d'un sosie ou non. Effectivement, les empreintes prouvèrent que Lawrence Bader et Fritz Johnson étaient la même personne. Mais un autre problème se posait. Fritz Johnson niait complètement être Lawrence Bader. Il affirmait qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir été un jour cette personne. Pour lui, il était John Fritz Johnson. Il se défendra dans les termes suivants. C'était comme un choc physique. Jusqu'à ce moment-là, je n'avais aucun doute sur le fait que je n'étais pas Larry Bader. Mais quand j'ai entendu ça, c'était comme si une porte avait été claquée et que quelqu'un m'avait frappé en plein visage. On parle maintenant d'une disparition amnésique de Lawrence Joseph Bader. Que Bader soit amnésique ou non, le fait qu'il ne soit pas décédé amène des conséquences pour sa première et véritable épouse, Marie-Lou Knapp. Le premier problème qui se posait pour Marie-Lou était qu'elle avait encaissé une police d'assurance de 40 000 $. Maintenant qu'il était prouvé que Lawrence Bader était vivant, elle était dans l'obligation de rembourser cette somme qui, à l'époque, était astronomique. Elle avait reçu de la sécurité sociale alors qu'elle n'y avait pas droit. De plus, Marie-Lou avait le projet de se remarier. Ce projet était maintenant annulé. Même Lawrence Cutler, celui qui avait loué le bateau à Bader, voulait être remboursé pour les dommages subis à son embarcation. Bader avait d'autres problèmes. Il était maintenant bigame. Il avait des responsabilités vis-à-vis de sa première famille de 4 enfants. Décidément, Fritz Johnson avait perdu de sa superbe. Sa vie était en train de se détruire. Lawrence Joseph Bader ou John Fritz Johnson ne baisse pas les bras. Il maintient ne pas se souvenir de sa première vie. Il engage un avocat. Il subira des tests à l'hôpital où les médecins ne peuvent pas affirmer qu'il joue à un jeu de dupes. Il en vient à la conclusion qu'il n'a aucun souvenir de son passé. Il continue dans ses affirmations. Il raconte aux médias qu'il n'a jamais entendu parler de Lawrence Bader. Il affirme à des journalistes qu'il a 30 ans de mémoire en tant que Fritz Johnson. Son avocat fait valoir un point important. Son client avait une tumeur cancéreuse qui a peut-être brouillé sa mémoire, ce qui pourrait prouver la bonne foi de Fritz Johnson. Ainsi, on ne pouvait le poursuivre pour des fraudes qu'il aurait commises alors qu'il avait complètement oublié sa première vie. Les conséquences ont continué d'être lourdes pour lui.
sa deuxième femme Nancy, décontenancée par cette situation, a choisi de le quitter. Le poste de télé local d'Omaha a choisi de se séparer de lui car il était dorénavant un personnage beaucoup trop controversé. Il se retrouva avec peu pour vivre. Il retravailla comme barman pour 100 $ la semaine, mais 50 $ allaient à Marie-Lou et 20 $ à Nancy. Il ne lui restait plus que 30 $ pour vivre. Il ne pouvait même plus se payer un appartement. Il dut déménager au YMCA. En août 1965, Lawrence Joseph Bader rencontra finalement Marie-Lou Knapp, sa véritable épouse, qu'il avait fui depuis le début de cette histoire. Leurs 4 enfants étaient présents. Il a continué d'affirmer qu'il ne se souvenait pas d'eux, que pour lui, c'était des étrangers. Marie-Lou était plus ou moins convaincue de sa bonne foi, mais elle espérait tout de même son retour. Elle s'exprimera dans les mots suivants. « J'espère qu'il finira par s'en souvenir », a-t-elle déclaré. Il s'est persuadé qu'il ne reconnaissait personne. Marie-Lou Knapp ne verra jamais son époux revenir. En 1966, le cancer de Bader est réapparu. Il décédera le 16 septembre. Il n'avait que 39 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il va soutenir qu'il ne se souvient pas de sa première vie. L'histoire sera incroyable. Même après sa mort à Omaha, on célébrera un service religieux pour John Fritz Johnson. Et il fut enterré à Akron, sa ville natale, sous le nom de Lawrence Joseph Bader. Est-ce que Lawrence Joseph Bader a manipulé tout le monde? Est-ce qu'il a tout simplement abandonné sa femme et ses 4 enfants pour recommencer une vie ailleurs? Souffrait-il d'une maladie neurologique? Est-ce que sa tumeur a pu lui faire oublier un bon jour une famille entière? Les médecins n'ont pu déceler qu'il jouait la comédie. Il y a quand même des points importants à soulever dans cette affaire. Lorsque Bader vivait à Akron, il avait 3 enfants et un 4e en chemin. Il ne roulait pas sur l'or. Il avait dû se résoudre à accepter d'être vendeur d'ustensiles pour Lifetime Distributeur. Cet emploi était peu rémunéré. Peut-être en avait-il assez de cette vie difficile. La vie qu'il menait à Omaha avec flamboyance correspondait sûrement mieux à son tempérament. Il y a d'autres points importants qu'on ne peut ignorer et qui font réfléchir. Bader avait une dette de 20 000 $ en 1957. Ce qui représentait une somme astronomique à l'époque. Il avait des retards dans ses paiements. Il était pris à la gorge par les impôts. Il s'avère qu'il n'avait fait aucune déclaration entre 1951 et 1957. On peut supposer que le fait de disparaître purement et simplement pouvait régler ses problèmes d'argent. Bader, durant son voyage d'affaires à Cleveland, a comme par hasard réglé sa prime d'assurance-vie, ce qui mettait sa famille hors du besoin pour très longtemps. Ça semble confirmer qu'il avait bel et bien l'intention de disparaître. Bader a soutenu jusqu'à la fin qu'il était amnésique, mais pour quelqu'un qui ne se souvient de rien,
qui avait à ce moment un problème neurologique grave, il n'a pas oublié de payer sa prime d'assurance vie. Il n'a pas oublié la valise qu'il avait en sa possession lorsqu'il a loué le bateau. Les gens à Omaha ont témoigné qu'il avait cette valise à son arrivée au Round Table Bar. Bader n'a pas oublié non plus ses talents d'archer, ce qui l'a conduit à sa perte, car sa famille a pu le retrouver lors d'une convention sur les armes. Il semble donc très possible que Lauren Joseph Bader s'est joué de tous, qu'il a abandonné lâchement une famille entière. Si Bader disait la vérité, c'est qu'il souffrait d'amnésie dissociative. Une maladie rare où une personne n'a aucun souvenir de sa vie en raison d'un traumatisme ou d'un stress. Des spécialistes soutiennent que c'est possible, que des cas semblables sont déjà arrivés. Le sujet oublie sa vie et s'en invente une autre immédiatement, ailleurs, avec conviction. D'autres spécialistes affirme que si l'amnésie de Bader était réelle, elle ne pouvait durer indéfiniment. Sûrement pas pendant presque 10 ans. Bader s'est sûrement rappelé des choses à mesure que les années passaient. Mais comment faire marche arrière quand on est dans une nouvelle vie? Bader pouvait très bien être pris entre 2 vies, ne sachant quoi faire. Même s'il affirmait ne pas se souvenir de sa première vie, il y a lieu de penser qu'il savait, mais qu'il ne voulait pas se l'avouer à lui-même. Lauren Joseph Bader a disparu une bonne journée de 1957. On l'a déclaré officiellement mort en 1960. Sa nièce a découvert qu'il vivait toujours dans une autre ville, sous le nom de John Fritz Johnson. Il affirmait qu'il n'était pas Lawrence Bader, mais les preuves avec les empreintes ont prouvé que c'était le même homme. Jusqu'à la fin de sa vie, il va nier se souvenir de sa femme et de ses 4 enfants. L'histoire de Lawrence Joseph Bader est tout simplement extraordinaire. Elle dépasse l'entendement. Elle demeure célèbre dans les histoires de disparition. Joseph Bader était l'homme qui avait oublié qu'il existait, l'homme qui s'était oublié.